Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement tourner la vidéo au calme, tranquille. On va pas commencer à gueuler, à faire ouah c'est trop génial, on a eu ci, on a eu ça, tout ça, non ça on va plus être tranquillou aujourd'hui. Parce que tu vois il y a des fois où t'es là, tu rentres de l'école, t'as envie de rigoler un coup tu vois, donc forcément tu regardes des vidéos marrantes. Mais il y a des fois ou peut-être aussi t'as envie tout simplement de te poser tranquille, pas besoin de réfléchir, voilà, avec une petite voix tranquillou, pas quelqu'un qui commence à faire des blagues de ouf et tout, non juste comme ça tranquillou, pepperoni, voilà. Bon alors, ça fait un peu chelou, hein. Donc du coup on va ouvrir le coffre gratuit, donc c'est parti, voilà, donc 48 d'or, voilà, donc ça... C'est raisonnable, hein, voilà, c'est un peu ce qu'on a d'habitude, ça fait toujours plaisir. Donc, deux Tesla, bon, bah, personnellement, j'utilise pas. Voilà, donc, 5 gobelins à lance, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Et ça, franchement, c'est une troupe, j'aime bien. Franchement, j'aime super bien, parce qu'elle tire de loin, c'est utile contre les ballons, par exemple. Ou tout ce qui est aérien. Voilà, donc, deuxième coffre gratuit. Donc, 51 d'or, ouais, c'est pas... tu sais, il a eu plus qu'avant, le mec. Ouais, non, c'est pas trop. C'est... bon, alors, deux gemmes. Ça fait plaisir. Voilà, donc, électrocution. J'ai oublié de vous dire un truc, d'ailleurs. Alors, électrocution, c'est pas génial. Hein. Bon, enfin, j'utilise pas pour l'instant. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est pas... Ouais, une boule de feu. Ouais, si, c'est vrai que... Ah, je commence à l'utiliser un petit peu... Ouais, enfin, vite fait, on va dire oui. Voilà, au niveau de ce coffre-là, donc le coffre d'or... Désolé. Au niveau du coffre d'or... Et eh ben, tout simplement, il a reine 6. Voilà, il a reine 6. Donc, ça peut être pas mal, on sait jamais. Des fois, d'avoir une épique à reine 6. Oh, on sait pas. Alors, juste comme ça, le coffre à couronne ne l'ouvrira pas maintenant. Ah, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. On va l'ouvrir. Attends, si je réfléchis bien, demain. Il est quelle heure là? Ouais, il est même pas midi. Bon, ouais, si, on va l'ouvrir maintenant. Donc, c'est parti. On va ouvrir le coffre gratuit. Donc, qu'est-ce que ça donne? 39 d'or. Ça fait plaisir. Bon, coffre gratuit, toujours un peu moins bien que le coffre gratuit. Le coffre d'argent, toujours un peu moins bien que le coffre gratuit. Je m'en mêle des fois. Hein. Donc, électrocution, encore une fois, bon, c'est pas mon truc. Les gargouilles, on va dire ça vaut le coup. Voilà. C'est pas génial, mais ça vaut le coup. Sinon, il y a quoi d'autre? Alors, coffre gratuit. 40 d'or, moi, ça fait plaisir. Voilà, 40 d'or, normal. Une électrocution, bon, si tu veux. 6 gobelins. Là, 6 gobelins, par contre. C'est une troupe que j'utilise quasi tout le temps. Hein. Franchement, c'est très résistant et au corps à corps, mais oh là là, ils font des dégâts de ouf. Et franchement, ça fait plaisir. Donc 41 d'or. Oh là, mais petit à petit, hein, 39, 40, 41. Ça sera quoi le prochain seuil? Ouais, donc 41 d'or, 6 électrocutions, ça fait plaisir. Et une cabane de gobelins. Bon, bah c'est cool. Étant donné que j'utilise pas ces deux troupes, ça fait plaisir. Voilà. Donc le coffre d'or, voilà. Qu'est-ce qu'il y a 161 d'or. Moi, bah, c'est pas mal, franchement. On passe de 41 à 161. Ça fait plaisir. 120 en plus, si je sais compter. Ouais, c'est ça. Donc, ok. 4 gargouilles. Bon, jusqu'ici, c'est pas arène 6. Hein. Ah, le suspense, il est là, les gars. Le gars, il est... Enfin, les gars, le suspense est là. Le suspense est présent. Gargouille, allez, allez. Ouais, une cabane, oui. Si t'as envie, oui. Je m'en fous un peu. Oh, allez, haute. Il m'a foutu que des rares jusqu'ici. Bah, il y a très peu de chances qu'on ait une épique. Mais on sait jamais. Allez, allez, allez. Vas-y, s'il te plaît, gros. Mais allez. Bon, on gueule pas, hein, mais... Attends, genre... esprit de feu. Attends, c'est un coffre d'arène 6. Toi, tu me donnes des esprits de feu. Tu m'aurais donné, à la limite, des mortiers. Je veux bien. Tu m'aurais donné... voilà, hein, bon, j'aurais bien voulu aussi. Ah ouais, mais non, ça c'est arène 5, ça, d'ailleurs. Bah voilà, t'aurais pu me donner ça, par exemple. T'imagines ça? Alors, regarde, en rare, t'aurais pu me donner ça. T'aurais pu me donner, bah, c'est tout ce que t'aurais pu me donner. Mais bon, malgré tout, quoi, ça aurait été trop cool. Non, peut-être ça, il aurait pu, peut-être, hein. Je sais plus. Enfin, bon, voilà, quoi, ou des mortiers, je sais pas, quoi, enfin... Oh, mais s'il te plaît, on est là, on est à arène 6. Faut profiter, bordel de... C'est trop bien. Bon. En attendant, on va ouvrir le coffre à couronne. Hein, arrêtons de papoter. On va dire n'importe quoi. 314. Et on est bientôt à 4000 pièces. Hein, ça fait plaisir. Donc 314 pièces. Franchement,
Depuis qu'il est doublé celui-là, mais à chaque fois je me fais halluciner quoi. 300 et quelques pièces, je sais pas combien de gobelins par exemple. Enfin, le truc de fou quoi. 11 gobelins, ça fait plaisir. Bon, 11 électrocutions, ça fait pas vraiment plaisir. Oh! C'est bon ça? Ça faisait longtemps. Désolé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de gobelins à lance. Et là, 20 d'un coup. Et franchement, ça fait plaisir. Attends, oh, je te fais des bruits de bouche. Ça doit être casse-couille. Désolé. Pour le casse-couille. Pas fait exprès. Bon, cabane de gobelins. Bon, on met un peu de côté, quoi. Hein. Voilà. Je sais pas si c'est passionnant quand je suis calme comme ça, mais bon. On verra bien, hein. Il faut bien tester un jour ou l'autre. Hein. On teste des trucs comme ça, et puis on voit ce que ça donne. Voilà, donc coffre à couronne, ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire deux attaques, et puis après, on rouvrira un autre coffre à couronne. Et j'ai du mal à parler avec quelque chose dans la bouche, un truc de fou. Donc moi, je vous dis tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, on va essayer de tout casser. Ah ouais, non, mais tout casser. Hein, franchement, je sais pas où on va aller. Allez, on va aller là. On va aller là, on va essayer de défendre ici, si possible. Donc ce qu'on va faire, on va envoyer ça. Allez hop, c'est parti, on envoie les petites gargouilles. On envoie... je pense que c'est tout ce qu'on va faire. Ouais, pour l'instant, on va faire que ça. Donc c'est parti, maximum de défense. Ouais, ça va. Ouais, on va dire que ça va. On va dire que ça va, c'est plutôt pas mal. Donc on va envoyer notre petit bombardier. Juste ici. Pas juste ici, hein. Juste ici, tu vois, c'est pas pareil. Enfin bon, c'est pas... Non mais, il y a des fois, voilà, dès qu'on a un petit jeu de mots à faire, autant en profiter, non, franchement. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va envoyer notre petit géant. Voilà, donc hop, qui va se faire un peu pousser, non? Ah non, mais pas la Valkyrie, ça, là! Oh, je me suis trompé, je me suis fail. Oh, bon, c'est pas très grave, c'est pas parce qu'on n'a pas... on n'a pas de... Ah, comment dire? C'est pas parce qu'on n'a pas de ballon qu'on va pas pouvoir réussir à faire un maximum de dégâts. Allez, c'est parti. Oh, ça va, hein, franchement, regardez. Nickel. Hop là, en plus, il touche un peu... Enfin, elle touche un peu la sorcière. Mais nickel, regardez, allez, allez. Oh non! Et j'aime pas quand ça fait ça. Mais t'as vu? Oh, t'as vu? Oh là là! Et franchement, c'est... Ah oh, c'est fou, oh, c'est chiant quoi. Hein. T'as vu ça un peu? Oh là là là, je te jure. Bon, non, il va pas prendre notre tour, c'est mort. Voilà, parce que sinon on aura un désavantage. S'il nous prend les deux tours, bon, c'est pas très grave. Mais s'il nous prend une tour, là par contre, ça commence à être grave. Voilà, parce que bon, hein, c'est pas. Moi, c'est un deck qui va viser directement les 3 étoiles. Donc au final, tu perds une tour. Bon, bah là, ça commence à être grave. T'as un désavantage, mais si t'en perds une deuxième, ça me change strictement rien. Ouais, avec ce deck là, ça me change rien du tout. Donc, ouais, y a pas de souci au ce niveau là quoi. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va envoyer notre géant. Voilà, on va envoyer notre géant. On va envoyer notre ballon. Et on va envoyer notre petit sort de rage parce qu'il a pas l'air d'avoir d'ordre de gargouille. Et ça, ça fait plaisir. Donc, forcément, bah, ça rend la chose un peu plus simple. Hein. Donc, tu vas voir les dégâts que ça va faire. Regardez-moi ça un peu. Le ballon qui résiste grâce au géant. Franchement, ça fait plaisir. Oh, mais je les ai envoyés les gobelins tout à l'heure là. Ah, c'est dommage. Oh là là, les gobelins qui ont fail, quoi. Bon, vous avez vu à quel point je suis un peu OP, quoi. Hein. Là, clairement, tout va bien pour moi. Voilà, donc c'est parti, maximum de dégâts, s'il vous plaît. Ouais, 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 la sorcière. Oh, allez, la sorcière qui prend avec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petit... je sais plus comment ça s'appelle. Allez, allez, allez. Non, dommage, il s'est fait avoir. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas très grave. Allez, c'est parti, on envoie notre combo principal. Donc, à savoir le géant et le ballon. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien quand je parle doucement, comme ça, tu vois, en mode tranquillou. Genre, on a gagné et tout, on a tout défoncé. Vraiment, ouais, donc, est-ce que c'est mieux quand je... Bon, après, ça dépend si vous avez vu mes autres vidéos ou pas, hein, mais est-ce que c'est mieux quand voilà, je suis en mode « Ouais, super, c'est trop bien, tout ça, on a gagné, machin, tu vois ?» Enfin bon, voilà, bon, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que c'est pas le but, hein, mais bon, voilà, si vous savez de quoi je parle, bah, dites-le moi, hein, bah, c'est un peu ça l'essentiel, hein, bon. Allez, c'est parti, les gars, on va tout casser, on va tout casser. Donc c'est parti, alors là, on va envoyer la petite Valkyrie au KLM, on va envoyer le petit bombardier au KLM. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va envoyer, voilà, donc le monsieur, tu sais très bien ce qu'il veut faire. Il veut un maximum casser ma tour. Que ce soit avec des, comment ça s'appelle déjà? Je sais même plus, des boules de feu. Voilà, donc on va, voilà, ouais, franchement, je te le dis là, je sais pas quoi faire, hein. Je sais quoi, on va faire ça, regarde, hop, on va envoyer ça. Je pense que, oula. Alors toi t'as pas... Oh, comme il aurait pas dû faire ça. Mais comme il aurait pas... Oh mais regardez-moi la chance que j'ai. Regardez un petit peu. Donc ça veut dire que maintenant il a plus sa horde de gargouille.
Et regardez ce que ça va me permettre de faire. Et bah c'est très simple. Ça va tout simplement me permettre de lui casser une tour. Et ça, ça fait plaisir. Donc merci à toi. Tu n'as pas prévu que je puisse avoir derrière un ballon. Et donc du coup, moi, ça m'aide carrément. Regardez un peu les dégâts que je vais lui faire. Regardez ça un peu. Juste, regardez. Vous avez vu un peu? Vous avez vu ou pas? Ah, vous avez vu? Hein? Carrément. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, grâce à lui. Hein, grâce à lui, parce que regardez, en plus la tour principale qui prend cher. Oh là 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 là. Et ça, grâce à lui, parce qu'il a envoyé les hordes de gargouilles, mais direct. Il a même pas cherché à comprendre, il envoie la horde de gargouilles. Ce qui m'a permis, grâce à mes flèches déjà, de bien défendre. Et en plus, de pouvoir... Mais il a pas compris, Hop, il renvoie. Il a pas compris. Non, franchement, il a pas compris le délire, en fait. Il a pas compris que j'avais des flèches, tout ça, et... Non, je sais pas. Bon, bah, tant mieux pour moi. Tu vois, c'est le genre de personnes, je sais même pas pourquoi ils font ça, en fait. Je comprends pas. Moi, enfin, je sais pas, à ma place, enfin, à sa place, moi, personnellement, j'envoie pas l'horde de gargouille alors que je sais qu'elle va se faire casser. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut réfléchir. Donc, voilà, bon. Alors, personnellement, je lui laisse la tour, je m'en fous un peu, hein, voilà, clairement, ça m'intéresse pas parce que moi, ce que je veux, c'est la tour principale. Donc, il aurait pu garder sa horde de gargouille quand même pour casser un, enfin, pour défendre un maximum le ballon. Mais il l'a pas fait. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe derrière? Moi, je gagne. Voilà. Donc, franchement, bah, voilà, donc ça fait plaisir, on a gagné. Et c'est parti, on est là, on est présent. On a eu les 10 couronnes qu'il fallait. On va ouvrir le coffre à couronnes. Donc c'est parti, hop, on clique dessus, voilà. Donc on va ouvrir le coffre à couronnes. Donc 308, c'est un peu moins que tout à l'heure. Je crois que j'avais eu 314 tout à l'heure, si je me rappelle bien. Voilà, donc on est à 4220, 4260, ça fait plaisir. Pour l'instant, bon, on n'en utilise pas parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc 2 gemmes, pourquoi pas. 7 Tesla. Bon, il y a un moment, faut que je signe une pétition, ça se passe comment là? Il faut, faut faire signer une pétition à Supercell ou il y a un truc, il faut que je me plaigne ou... Enfin, j'en ai marre moi, parce que depuis je sais pas combien de temps, j'ai que ça. Tesla. Tu pourrais faire une musique, Ah ouais, à chaque fois que t'as une Tesla, à chaque fois... Oh, si à chaque fois j'aurais une Tesla, je dirais Tesla... Je pourrais faire une musique avec. À chaque fois, ça serait un Tesla différent et ça pourrait durer je sais pas combien de minutes. Hein. Tesla. Oh, c'est bon, hein. Voilà. Il y a un moment, c'est un peu chiant. Hein, voilà. Non, mais bon. Je pense que vous pouvez confirmer. Il y a un moment, c'est chiant quand on dit Tesla. Voilà. Bah, c'est pareil. Quand on a que des Tesla alors qu'on les utilise pas, et ben, c'est un peu chiant, quoi. C'est, ouais. C'est un peu énervant aussi. Hein. Ouais, ouais. Non, franchement, il y a un moment, il faut arrêter de me donner toujours la même chose. Hein. J'ai envie d'avoir des troupes que j'utilise. Enfin, ça sert à quoi de me donner des troupes que j'utilise pas? Enfin, personnellement, moi, je vois pas l'utilité. Donc, c'est pas très grave. On a eu les barbares, qui sont plutôt puissants. Mais, bon. Voilà, ça a pas vraiment d'utilité pour l'instant. Bon, j'ai envie de dire, les barbares, je les mets de côté, tu vois. Ah, ça fait plaisir, là. Tu vois, là, ça me laisse sans voix, tu vois. Là, ça fait plaisir. Là, quand tu vois du chevalier x17... Et que tu l'utilises, bon, je l'utilise pas sur ce deck là, mais malgré tout, j'utilise quand même. Là, ça fait plaisir, tu vois. Là, c'est ça. Tu te dis, ah ouais, là, tu vois, au moins là, tu vois, t'as quelque chose qui te sert, tu vois. Mais quand t'as du Tesla en permanence et que tu t'en sers jamais, ça sert à rien, hein, voilà. Donc, c'est parti, on va essayer d'avoir une épique. Donc là, on pense très fort à une épique. On pense très fort au. Comment il s'appelle ? Allez, mais vous le savez, c'est obligé. le squelette géant. Donc c'est parti. Allez, on y pense très fort. Squelette géant. Quoi ? Pierre tombale, mais je... vas-y, wesh. J'en ai 61 des pierres tombales. Tu crois franchement que j'utilise ? Non, tu t'es dit, tiens, il a 61 pierres tombales en stock. Il peut l'améliorer encore deux fois. Allez, c'est obligé, il l'utilise. C'est obligé qu'il l'utilise. Non, mais c'est obligé qu'il l'utilise beaucoup. Hein, voilà. S'il l'améliore pas, c'est obligé qu'il l'utilise. Mais non, si je l'améliore pas, c'est que je l'utilise pas. Mais réfléchis. Oh, il y a des fois, franchement, ça me désespère ce jeu. Ah non, mais entre les troupes qui coûtent 10 milliards pour pouvoir les acheter, oh, je suis désolé, mais bon, s'il te plaît, quoi. S'il te plaît, mais vive les prix des gemmes, quoi. Hein. Vive... Non, mais t'as envie d'avoir 14 000 gemmes, 14 000 gemmes, t'as quoi? Allez, t'as. Allez. T'as. On regarde bien les coffres. 3100. Allez, t'as 5 coffres. T'as 5 coffres super coffres magiques. Environ, hein, je sais pas exactement. C'est nul. Hein, c'est nul. T'en as même un peu moins que 5. T'en as 4. Avec 4 coffres, t'as que dalle. Hein, t'as que dalle. Franchement, t'as que dalle. Donc, je suis désolé, mais pour 100 euros, avoir 2-3 troupes, je suis désolé, mais bon, c'est un peu abusé. Hein, et puis les sacs d'or, bon,
On va dire que ça va, mais c'est quand même un peu abusé. Et puis je disais, mais bon, là, tu gagnes que dalle. Un coffre gratuit, tout ça, tu gagnes aucune troupe. Tu disais, mais c'est un peu se foutre de moi quand même. Hein, voilà, non, mais bon. Quand tu. Non, mais avec 100 euros, t'as quoi? Allez, on va voir, hein, on va voir. Regardez, t'as quoi? T'as 400 cartes. Pour. Attends, 400 fois, fois 5, on fait fois 10, divisé par 2, ça fait 2000. Ça fait un peu moins de 2000 troupes. Pour 100 euros, t'améliores une troupe en entière. Par exemple, celle-là. Celle-là, c'est. Je crois que t'as. Pour 2000 cartes, je crois que c'est niveau 10 ou 11. Enfin, je sais plus. Non, peut-être plus en fait. Non, ça doit être niveau 11 ou 12. Ça doit être un truc comme ça. Il te faut 2000 cartes environ. Je suis désolé, mais bon, pour 100 euros, tu passes un niveau 11, un niveau 12 ou un truc dans le genre. Je suis désolé, mais bon, c'est abusé, hein? Voilà. Donc, si tu veux passer toutes les cartes, t'en as pour des milliers de. Je sais même plus combien c'est. Enfin bon, moi je trouve ça vraiment. Je trouve ça vraiment méchant de la part de Supercell. Il y a un moment, faut qu'ils arrêtent de se foutre de nous. En espérant que le fait que ce soit en mode tranquillou, genre en mode posé, tu vois, en mode voix tranquille, pépère. Voilà, donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Ça se trouve, même au contraire, vous aurez bien aimé. Voilà, vous êtes un peu chelou si vous avez bien aimé. Non, je déconne. Enfin bon, laisse tomber. Voilà, donc du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool.